Indonesia merupakan kunjungan yang bersejarah. Kunjungan terakhir, Presiden Prancis dilakukan sekitar 31 tahun yang lalu, dan saya senang yang dia membawa delegasi kita termasuk sekitar 40 delegasi bisnis. Prancis merupakan mitra di Indonesia Perjanjian mengenai kerjasama di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Industri Digitalisasi dan Inovasi Bapak Kristof Siruk. persetujuan kerjasama riset ilmiah, teknologi dan inovasi oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bapak Muhammad Nasir dan Menteri Industri Digitalisasi dan Inovasi Bapak Christoph Siruk. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama di Bidang Pariwisata oleh Menteri Pariwisata Bapak Arif Yahya dan Menteri Industri Digitalisasi dan Inovasi Bapak Kristof Siruk. kunjungan ini merupakan kunjungan yang bersejarah setelah hampir 31 tahun tidak pernah ada kunjungan seorang Presiden Prancis ke Indonesia. Baru saja saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Olong dan kami sepakat untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Perancis memiliki hubungan kerjasama strategis yang sangat baik, termasuk di bidang ekonomi. Dan saya menghargai kunjungan Presiden Olong kali ini disertai sekitar 40 pengusaha. Dan saya menyambut baik komitmen baru investasi pengusaha Perancis sekitar 2,6 miliar US dollar untuk meningkatkan kerjasama di bidang Energi di bidang infrastruktur dan di bidang retail, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Perancis yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia, dan saya telah jelaskan bahwa isu sustainability bagi kelapa sawit merupakan prioritas bagi Indonesia. Indonesia juga menyampaikan usulan agar pola kerjasama yang sudah terjalin untuk produk kayu melalui lisensi Flekti juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit Indonesia. Saya juga menyambut baik fokus baru dalam hubungan bilateral, yaitu kerjasama maritim dan kerjasama di bidang ekonomi kreatif. Indonesia telah meminta kerjasama dalam memerangi IUU facing, termasuk menjadikan EU-EU facing sebagai transnasional organized crime di bidang ekonomi kreatif, kerjasama di bidang sinematografis, perfilman, fashion, dan ekonomi digital akan terus dikembangkan. Selain kerjasama bilateral, Indonesia dan Perancis juga melakukan kerjasama yang sangat erat di berbagai isu internasional, antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia dan melawan ekstremisme dan terorisme. Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep Two State Solution dan sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia, maka Indonesia Prancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama, termasuk peningkatan kapasitas bahasa Prancis bagi pasukan. Indonesia Indonesia dan Prancis juga sepakat mengenai pentingnya penyebaran nilai-nilai toleransi dan penghilangkan xenophobia sebagai bagian upaya memberantas ekstremisme dan terorisme. Saya menyambut baik di tanda tanganinya lima MOU kerjasama, yaitu di bidang pembangunan urban berkelanjutan, di bidang pariwisata, di bidang pertahanan, dan di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian serta pertukaran tenaga peneliti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang dengan hormat Yang Mulia Presiden Olong untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Je remercie, uh, le Joko Widodo pour uh, son C'est en effet la première fois depuis plus de 30 ans qu'un président de la République française vient en visite ici en Indonésie. C'est un honneur et c'est aussi une responsabilité parce que nos deux pays, l'Indonésie et la France, sont des puissances dans leurs régions respectives, sont des démocraties et entendent jouer un rôle à l'échelle du monde. Et c'est pourquoi nous partageons un grand nombre de principes. Pour la stabilité et la sécurité et l'avenir de la planète. Nous sommes l'un et l'autre membres du G20. Nous agissons dans les instances internationales et l'Indonésie prend sa part dans les opérations de maintien de la paix. J'y suis particulièrement sensible puisque il y a des soldats indonésiens, notamment au Liban, dans le cadre de la Finul. C'est dire si l'Indonésie a pris conscience que la sécurité était un un élément planétaire et qu'elle ne pouvait pas se réduire à telle ou telle région. Nous avons aussi une des visions communes sur la solution qu'il convient de donner à des conflits par la négociation, par le dialogue et notamment au Proche-Orient. Mais nous avons l'Indonésie et la France un partenariat stratégique depuis 2011 que nous voulons encore amplifier, stimuler et c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui à travers un grand nombre d'accords sur euh, l'exploitation euh, qui doit être maîtrisée de la ressource euh, halieutique, des pêches, euh, sur euh, les énergies marines, sur euh, le développement d'une agriculture durable, sur euh, les infrastructures, euh, les transports et également tout ce qui est énergie renouvelable. Nous avons aussi euh, défini une démarche commune concernant... Euh, L'huile de palme, parce que nous savons ce que cette production représente ici en Indonésie. J'étais également en Malaisie. C'est une part très importante de l'activité agricole qui est consacrée à cette production d'huile de palme. Chacun est bien conscient que nous devons respecter des règles environnementales et c'est la raison pour laquelle la France soutient le processus qui consistera à la certification de ces productions. À l'échelle européenne, comme il a été fait d'ailleurs pour le bois tropical à votre initiative. Et je pense que ce que nous venons de, de convenir entre nos deux pays sera la règle pour euh, l'Union européenne, avec euh, le souci euh, de donner aux consommateurs la meilleure euh, production et pour les producteurs les garanties qu'il y aura bien cette, euh, ce débouché. Nous avons aussi, avec euh, le président mis dans notre partenariat stratégique d'autres éléments que ceux qui pouvaient jusqu'à présent être contenus. D'abord, une commune préoccupation pour les questions de défense, parce que nous savons bien que des pays comme les nôtres, dans régions comme celle-là, doivent disposer d'une autonomie stratégique, doivent disposer des équipements, des matériels, des personnels pour les servir. Et entre la France et l'Indonésie, il y a cette coopération qui va encore s'intensifier. Nous avons aussi, dans un tout autre domaine, mais qui est aussi celui de l'indépendance, convenu de promouvoir les industries créatives, c'est-à-dire le cinéma, mais aussi le design, les jeux vidéo. Pourquoi Parce que d'abord, c'est un élément essentielle de la vie de nos concitoyens, mais parce que nous devons avoir notre propre capacité de production. Nous devons euh, développer nos propres créations et éviter euh, l'uniformité, garder ce qui fait notre spécificité, notre richesse, notre diversité, et là encore, euh, nous allons pouvoir coopérer. Enfin, je n'apprendrai rien à personne, euh, l'Indonésie est un archipel qui compte des milliers d'îles, et donc euh, nous avons... Euh, toute raison de développer encore les moyens de transport. Vous avez fait confiance à Airbus et à des compagnies qui travaillent avec la France, qui achètent des avions français. Et nous voulons participer de ce développement qui a des conséquences aussi pour le tourisme. Mais nous voulons également, l'Agence française de développement apportera ses prêts, développer les ports, les infrastructures dans les îles de l'archipel indonésien un dernier mot. l'indonésie est le pays qui compte le plus de musulmans au monde. et l'indonésie a développé un modèle de tolérance, d'ouverture qui est un exemple. avec une neutralité religieuse et une liberté donnée, et nous devons là aussi nous en inspirer. la france a un autre modèle qui est celui de la laïcité, mais qui part du même principe qui est de la liberté, religieuse à condition que les règles communes soient respectées. Et donc c'est à travers cette conception de l'islam qui est la vôtre que nous devons être clairs sur la manière de vivre ensemble, être fermes aussi dans la lutte contre le terrorisme, contre la radicalisation, et en même temps éviter toute stigmatisation, toute mise en cause d'une religion. Et là aussi, c'était le sens que je voulais donner ici à ma visite et en étant très heureux d'avoir mis un terme à une parenthèse qui avait duré 30 ans. Merci.